La dernière fois, je vous ai parlé du cakewalk, qui était donc une danse française reprise par les Africains qui va donner naissance au ragtime puis au jazz. Et je vous ai dit que Debussy en avait composé un de cakewalk. Ce cakewalk s'appelle Gollywog's Cakewalk. Il fait comme ça. En fait, qu'est-ce que ça veut dire Gollywog C'est le nom qu'on donnait à des petites poupées noires qui faisaient fureur au début du XXe siècle chez les anglo-saxons. C'était une petite poupée qui avait les cheveux crépus, les petites filles blanches se les arrachaient. Ce nom, Gollywog, en dit beaucoup sur les blancs qui se moquent des Afro-Américains, mais non seulement qui s'en moquent, mais qui vont même créer un genre musical aussi. On est en 1830, il y a un comédien américain qui s'appelle Thomas Rice, qui est un comédien raté, qui assiste à une scène dans une ville du sud des États-Unis. Il voit un mendiant noir handicapé qui joue de son handicap pour, euh, pour créer un effet comique. Les gens s'attroupent et finalement lui donnent de l'argent. Et il a l'idée de monter un spectacle avec cette danse. Encore une fois, ce danseur était... Handicapé, donc sa danse fatalement était, euh, je dirais, désynchronisée et ça crée un côté burlesque. Il va se servir de ça pour créer un personnage qu'on va appeler les Blackface. C'est-à-dire qu'il va se mettre du cirage noir sur le visage et il va représenter euh, ce personnage africain handicapé qui danse d'une manière un peu claudicante et qui va être ridicule et qui va faire rire les gens. Ce comédien, en créant ce personnage de blackface, va faire fortune. Il va tourner dans tous les États-Unis, il va déclencher l'hilarité des foules, euh, il va agrémenter cette danse d'un chant. Petit à petit, il y a d'autres comédiens qui vont s'agréger et on va créer un genre musical qui va s'appeler les minstrels, les menestrels. Et ce genre a ceci de particulier que ça va être finalement l'ancêtre des comédies musicales, mais c'est essentiellement joué par des blancs qui se déguisent en noir et d'une certaine manière qui vont faire fortune, encore une fois, en récupérant un petit peu le folklore des esclaves afro-américains. Ça va plus loin que ça, c'est que dans ces spectacles-là, ils se moquent carrément euh, des noirs. Euh, ils, euh, ils les montrent euh, fainéants, idiots, euh, tous les stéréotypes y passent. Ça fait beaucoup rire des salles entières aux États-Unis. Ce genre va perdurer, va se développer. On va créer des petites poupées de chiffon. Euh, pour les enfants, pour que les enfants s’amusent aussi avec ça, Debussy, quand il va créer son cakewalk, va l'appeler Gollywalks cakewalk. à l'époque, je dirais ça choque personne jusqu’en 1927 où le premier film parlant qui s'appelle le chanteur de jazz, The jazz singer, raconte l'histoire d'un blackface. En effet, c'est un jeune chanteur blanc qui est le fils d'un rabbin. Son père le surprend à chanter dans un bar. Ça n'est pas un métier sérieux. Il le répudie et finalement, ce chanteur va commencer à faire fortune et à avoir le succès en faisant un blackface. Dans l'histoire du cinéma mondial, le premier film parlant montre un comédien blanc avec du cirage noir sur le visage en train d'imiter un chanteur de jazz. Alors, dans l'histoire du film, le père, euh, le jour de la première de ce comédien, son père est mourant et il ne peut pas chanter son père est chanteur aussi il est cantor mais à la synagogue il ne peut pas assurer le service du Yom Kippour à ce moment-là le chanteur entre sa carrière et son père, choisit son père, retourne à la synagogue pour chanter. Son père va mourir heureux et quelques années plus tard, malgré tout, il reprendra sa carrière. Voilà, c'est hallucinant. Le premier film, encore une fois, musical et parlant de l'histoire du cinéma, montre un blackface. Il va falloir attendre les années 60 et la révolution des droits civiques pour qu'enfin ce genre soit bannis pour que les Afro-Américains récupérant leur dignité demandent à ce qu'on cesse de faire des spectacles se moquant ouvertement des Noirs. Dans ce contexte hyper tendu jusqu'à nos jours finalement aux États-Unis, puisqu'on s'aperçoit que rien n'est réglé hélas, euh, l'Europe et la France en particulier a toujours été comme un havre de paix. Euh, Sidney Béchette euh, va s'installer euh, entre les deux guerres. Beaucoup de musiciens... Euh, qui vont être sur le sol européen pendant la Première Guerre mondiale. Beaucoup de musiciens afro-américains vont s'installer. Non seulement ils ont amené le jazz ici, mais pour eux, c'est un pays de cocagne parce qu'ils ont le droit de s'asseoir à côté des Blancs. Enfin, toutes ces lois racistes n'existent pas. Après la Deuxième Guerre mondiale, ça va être la même chose. Quand Miles Davis euh, découvre Paris, euh, tout d'un coup, il dit J'ai oublié que, que j'étais noir parce que j'étais regardé euh, comme, euh, dire, comme les autres personnes parce que je pouvais Partout, parce que tout d'un coup, cette, cette tension que lui-même a portée toute sa vie, ici, elle n'existait plus. Et je veux juste terminer sur cette très belle image Miles Davis et Juliette Greco, bien sûr. <truits>